Salut à tous, c'est Cardboy. Salut à tous, c'est Thierry Bike. Bonsoir Cardboy. Salut Thierry, comment il va? Mais il va bien, il est curieux de savoir qu'est-ce que ça va donner là, ses qualifs sur le circuit de Jerez pour la deuxième manche. Curieux de savoir, Jerez de la Frontera, si, señor. Vamos aquí. Voilà. Circuit Angel Nieto. Ouais. Ça roule très vite. Ça roule très vite, et bien malin qui pourra dire qu'il fera le podium ce soir. Hey. Ouais, parce que on a peut-être la moindre chute là-bas, ça Ah prive bah de faut pas. podium déjà d'entrée de jeu, donc Ça voilà. faut pas. Ça c'est une chose qui est claire. Si On tu vas n'a sur le pas à se podium, de poser toute de questions. façon, il faut pas tomber, ça c'est certain, mais ça roule très fort. Ça roule très fort, ça roule en 33, une 33, donc ça roule très très vite. Et voilà. On a eu droit cette semaine à une petite partie de fou rire Alors? avec notre ami Dodo qui avait une manette dont tu sais le réglage quand tu bascules la manette gauche-droite Au au niveau lieu de du faire calibrage, oui. voilà au niveau du calibrage qui était activé. Donc en fait sa moto ne tournait plus d'un côté, il s'est retourné le cerveau pendant 2 jours. Et il a commencé à douter de ses performances, et en fait, ce n'était que ça. Hein, on a recalibré les manettes, je lui ai fait resetter sa manette, tous les paramètres, sauf ce truc-là où, logiquement, tu y touches jamais. Bah non. Et en fait, ce n'était que ça. C'était à Oh, mais sombre. on s'est payé une partie de fou rire, c'était trop marrant. Voilà, petite pensée à Dodo. Écoute, Ouais, on est il a bien gentil retrouvé son avec toi, niveau. moi je dis, on est bien Ah gentil, là hein. là là, il a retrouvé ses Voilà. performances, donc tout va bien, mais il était très très inquiet, Dodo, Voilà, il ses doutait, hein. performances là. Ah oui, bah bien sûr. Tu sais, quand il s'est pris 3 secondes autour, hein, ouais, ça a piqué. C'est sûr. Ah Mais bon, il a quand même, il peut forcément, enfin, je sais pas, tu devines, tu dis qu'il y a un truc qui est vraiment pas normal. non, Ça il a vient pas de douté. Non, toi, parce mais. qu'en fait, on a tout vérifié. On a tout vérifié. J'ai fait recéder, c'est tout ses, toute sa manette. Il a désinstallé le jeu, réinstallé le jeu. Enfin, il a tout fait. Sauf ça. Juste un truc. Juste un truc. Bon. C'était pas drôle pour lui, sur l'instant. Ouais. La fameuse course, la fameuse moment où on a joué tous ensemble. C'était un mauvais moment pour lui. Mais alors nous, qu'est-ce qu'on a rigolé? Oh, putain. Enfin bref, bon, 59, on est déjà presque l'heure, hein, mine de rien. Ouais, tout à Et fait. on va partir pour cette deuxième manche de championnat qui en compte 14. Et on va en Espagne à Jerez. Écoute, circuit, il est chaud ce circuit-là, hein, j'avoue. Je Ouais, il est commence. chaud, il est délicat, c'est pas toujours évident de trouver comment faire pour aller vite. Ah non, non puis là, voilà, si tu commets une erreur, t'es tout de suite dehors, donc voilà quoi. Voilà, voit ça. Bon, on va On va dire. attendre, mais pas Bah tarder. écoute, Hein? bah ouais, j'attends 21h pile 59. 00 et bam, j'appuie sur le bouton rejoindre le circuit. Exactement. C'est pour ça. Exactement. Je positionne le 21h, bouton. bim, 21h, rejoindre le circuit. Allez, go! c'est parti. Allez-y. Bah écoute, hein, je te dis à tout à l'heure, hein, et Ok. puis Bon, ben, amuse-toi bien en attendant, hein. Ouais. pas de soucis. À Au toutes. revoir. Salut. Bon essai. Merci à toi aussi. Salut. Alors, nous allons caler sur le circuit de Jerez. Voilà, le temps de quitter Cardboy. Circuit de Jerez, deuxième circuit de la saison, qui comporte 5 courses en MotoGP, 5 courses en Moto2 et 2 soirées extra avec la Moto E et la Moto3. 2 soirées donc, où au cours de ces 2 soirées, l'ensemble des points comptera double pour une course qui sort un petit peu du modèle classique. Voilà, ce qui force les pilotes à aller se faire un petit tour sur l'ensemble de tous les circuits. Voilà, les circuits, surtout les catégories. Et donc on y est. Il n'y a plus qu'à. Tout le monde est prêt, il n'entend plus qu'un vers Eldia. Ça y est, c'est bon. Alors, grand classique, qui va être le premier à sortir? Qu'on puisse le regarder.
bagarre. Alors, c'est pas le premier. Bon, si c'est le faire dans l'ordre, ça semble être bon pour le premier. On va voir. Oui, c'est le premier. Eh ben, le premier, c'est Yam. Donc, Yam est à l'honneur. Et c'est parti pour un tour de circuit. Allez, on va prendre une super vue. Ah ben non, on peut plus. Ben on va aller voir Virus qui était deuxième dans la sortie. Et dans ce cas-ci, on va peut-être avoir cette fameuse vue. Petite vue cockpit. Non. Voir arrière, non. Hélicoptère, non, ça va pas. J'en veux une autre. Avant, l'avant. Au niveau casque, c'est pas mal casque. On va l'adopter. Un petit peu large. Bien mieux. L'accélération est assez dure. Pour faire tourner, c'est un virage spécial. Il s'ouvre. Joli morfait. Freinage bien assuré, grosse accélération. Sans propulser le livreur, c'est bien ça. Et voilà, on est en la couleur, une 37.8. Allez messieurs, à votre tour. Qui va? Ben CCB et Maxi Francis, bing bing. Entrée de jeu, il y en a deux qui le font. Ah, Yann qui vient chuter. On va se mettre sur qui? Eldia. Eldia, Eldia, Eldia. Suivez le petit loup. Petit loup dont le tour ne comptera pas du fait d'une pénalité. Alors, on a Maxi Francis qui est en avance. Sur son propre temps. Suivi de CB, ben les, la première et la deuxième position l'un derrière l'autre. Un petit peu d'air pour Maxi. Ça l'a pas dérangé. Oh, CB tourne mieux. CB est en retard, hein, premier, deuxième et troisième secteur. On a Virus qui lui, on attaque. Alors, ah, ça se tourne différemment. Ça accélère et Virus qui prend la pole. Qui le reprend, pour être précis. Attention à Yandley. Deux secteurs en rouge. Patch de Maxi. Troisième en rouge. Allez, il a dû corriger une petite erreur. Fait bien le dernier virage, il est pas mal. Refaire, accélère. Allez. Est-ce que ça va être le record? Oui, non, oui, 5 dixièmes. Eh ben, on monte la barre assez haut. Hein. On va faire un tour chez Yam. Non, ça mousse. Ça mousse en amélioration, 1 seconde 3 pour l'instant.
Il était à 0,8 juste avant la prise de la pole par Yonley, qui continue d'allumer en rouge. Ah, ça vaut cette petite tendance à lever s'il se perd à l'accélération. On y va, ça mousse de 5, passe à 3, bah, joli bout en avant, 1. Alors, Yam, Maxi Francis, que j'en ai un par là, le premier qui est prêt, il y a Yam. Ah non, Yam, pénalité, Maxi Francis. Bah, Yandley qui continue d'améliorer. Là, il y a moins d'erreurs sur cette courbe. Très proche de la bordure. Et Yandley qui va. Légèrement amélioré. Bravo. Est-ce qu'il relaxe CB? Non, maintenant, il n'est plus en rouge. Mais il est en amélioration. Et jusque là, c'est pas mal ce qui se passe. Ah, un scratch de petit loup. Petit loup fait là l'entraînement et pas en course. Hein. Promis. CV qui passe, ligne d'arrivée. Et qui est à 66 millième. C'est tout proche ça. Hein. Virus, allez, faut que Eldia, Petit Loup, Yam et Maxi ressortent, hein, 7 minutes encore. Non, parce qu'on entend comme un bruit d'eau, comme s'il pleuvait. C'est vrai que ça a l'air plutôt nuageux partout autour, voire même pluvieux, mais bizarre. Virus, ça va pas améliorer. Allez, on va aller voir Yam. Et après, on ira voir Eldia. Ah. Léger building. Qui a tendance à freiner assez droit. Alors de combien va être l'amélioration? Eh ben pas assez, il reste 6ème. Eldia, 3 améliorations. C'est bien, il corrige juste ce qu'il faut pour avoir des bons passages. Oula! Eldia qui finit pas son tour, problème. On va aller voir Virus. Virus qui n'en veut. Ah, il y a CB qui est juste derrière lui, ça lui fait un point de repérage. Et Virus qui est encore à 9 dixièmes de la pole. Ouh, c'est juste. Légèrement loupé. Et ça va sûrement faire du bien à CB. Après, si ça continue, Virus reste à la même position. Ah, CB qui chute. Allez voir Petit Loup. Petit Loup, ah, désolé Petit Loup. C'est bien, t'as amélioré, mais tu restes en 7ème position. Allez, courage. Eh,
Dahlia est une pénalité, Samus n'en a pas. On va aller voir Samus. Samus qui n'améliore plus, dommage, quatrième position c'était pas mal. On doit sur Maxi Francis. Maxi Francis. Il y a déjà deux secteurs où il améliore. Est-ce que Samus continue d'améliorer? On va voir ça, non. On passe chez Maxi. Ah, il a perdu un petit peu de temps dans ce virage. Ah mais la accélération elle est là quand il faut, il attend pas d'être droit, c'est pas mal. C'est pas mal, ça va payer. Moi je vous le dis. Scratch de CB et Maxi qui va annoncer la troisième place. Ah vaut 4 dixièmes de mieux. Allez, une petite chute repos en attendant. Alors, on a Eldia qui se trouve pour l'instant relégué à la dernière place et qui n'améliore pas. Ah, pour ceux qui veulent faire des tours, c'est maintenant. Hein. Personne n'améliore. Personne. Ah, il y a Virus qui est en rouge. Et Virus, il se crache. Allez, faut vite relancer. Ah, pas mal, Eldia. De nouveau, il est meilleur dans ce troisième secteur. Allez, on accélère bien. Allez. Et maintenant, il faut que je peux te parler. Ah non, Eldia n'améliore pas. Personne n'améliore. Personne n'améliore. J'ai personne. Un petit... Ah, il y a un rouge. Il y a un rouge chez CB. On y va de ce pas. Allez, CB. Deuxième rouge pour CB. Virus qui est rouge également. Virus qui est orange. Allez, un beau virage à droite, légèrement écarté, on se rattrape sur le suivant. Ah, passé orange, mais en amélioration. Allez, ça peut faire quelque chose. Il est temps de repartir pour un dernier tour, pour ceux qui ne sont pas encore passés, après ça va être juste. Pardon. Et CB. De 0,563, il va passer à 267. Voilà, 200 et quelques millièmes de... 300 millièmes d'améliorer, c'est bien. Ah, petit loup qui se crache. Yonley qui améliore. Yonley qui est plus rapide que lui-même. Deux secteurs rouges. Ah, c'est beau, hein. Allez, pourvu que ça dure. Le temps est à zéro. Est-ce que Yonley va enfoncer le clou?
Alors, de quoi il s'en donne les moyens. Ah, il écarte. Et non, c'est plus bon. C'est plus bon, c'est plus bon, c'est plus bon. Qui nous reste-t-il? Il nous reste Virus. Virus qui est dans une amélioration personnelle. Deux oranges. Un gris. Ah, pourtant il fait. Il scratch un peu large, dommage. Ça tire sur la poignée des gaz. Et ben terminé pour cette qualification. On valide les chronos. Alors que les derniers pilotes rentrent au stand, jetons un œil sur le classement final de cette séance de qualification qui va déterminer la grille de départ de la course. Donc on a Yandley, 1.35.611, CB1000, 1.35.878 et Samus, 1.36.712. Il est temps de saisir les temps de chacun. Et de contacter également mon acolyte Cardboy. Donc ça c'est fait. CB, 1.35.878. Re 9e Fab. Avec un chrono d'1.35.145. Ok. Et 10e Human. Avec un chrono 1.37.248. Voilà. C'est fait. Ça roule fort, hein. Ah, il y a eu du mal hein, pour certains. 1.36.911. Meilleur chrono, dodo, hein, 1.33.471. Ouf. Ah oui, il y en a là, moi, 1.35.611. Le meilleur temps ? 1.35.611, ouais, le meilleur temps. Ah bah, je vais me retrouver quasiment avec les mêmes alors. Il n'y a que Human qui est en 1.37.148, sinon le 9e il est en 1.35.145. Ouais, bah mince, c'est la vache. Il n'y a que Yandley qui va basculer en. Mmh. Ouais, bah écoute, c'est comme ça. Hein. C'est la vie! Qu'est-ce qu'il dit, Mout Mout? T'as fait le deuxième temps, Mout Mout. C'est bon. 33.907. Tout à fait, Coupa. Arrête de piller, là. Bon, ben voilà. J'ai saisi. It's good. Ouais, it's good. On va faire le tri. On va voir ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à tri. Il n'y a plus qu'à tri. Allez, hop, je quitte la partie, je recrée tout de suite quand c'est fait. Perds pas de temps. Hop, et hop, j'enlève les essais. Voilà. Et je crée le salon. Ok, ok. Eh ben. Ouais, bon. c'est chaud. Non, hein. ouais. Non, bah, pourtant, de toute façon, c'était pas de la pluie, donc il y a que ça qui aurait pu la ralentir. Mais c'est marrant parce que j'entendais tout le temps cette image comme s'il y avait de la pluie autour du circuit. Bah, en fait, il y a des bugs en ce moment dans le jeu parce que certains se retrouvent avec la combinaison de pluie. Ah, carrément, d'accord. Carrément, ouais. Ouais. Qu'est-ce que je te dis, ça. Bon, je confirme, non, je suis toujours nuageux, 1.35. La course à 25%, voilà, pas de qualif ce coup-ci, du libre, pénalité libre. Je vérifie quand même tous les réglages. Performance.
Bon ben voilà, tout est fait dans les règles de l'art. On crée le salon et j'invite C'est bon, j'ai mes 10. les petits copains. Eh ben moi, le temps d'appeler mes 8, hein. Pas de souci, je t'attends. Je cherche mon humain, c'est bon. Petit loup, Eldia. Ah, il y en avait qui m'avait dit qu'il n'aimait pas trop ce circuit. Ah oui, bah oui, s'il y en a qui n'aiment pas, hein. Clairement. Hein. Bon, ben voilà, j'ai mes 8. C'est parti, invitation lancée. Yaplouka. Alors, Jean-Guy, ok, Jean-Guy, Naoï, ok, Naoï, petit boss, hop, boss, pépère, ok, c'est bon. Oh, c'est bon, j'ai mis dans l'ordre. Je vérifie les paramètres du salon, 25%, tatata, nuageux, ok, c'est bon. Je suis bon. Parfait. Ah, ça fait que 5 tours en 25%. Ça va être rapide, hein. Ouais. Donc, si on calcule bien, une dizaine de tours pour l'autre course. Si on fait 25-50, forcément. Tiens, au fait, cette semaine, on a roulé un peu, j'ai roulé un peu avec les gars et on a reparlé de faire un peu de karting. Ah, on va se faire une petite séance en semaine. Ouais. Donc, je pense qu'on va se refaire une petite soirée karting. C'est sympa. On va remettre le cul dans le baquet. On va voir. Ah bah À ouais, voir ce sera ça. avec plaisir. À voir Bon, ça. À voir, on va organiser ça. j'ai humain qui me dit que voilà, il a fait les qualifs avec les meilleurs, ça roule de ouf, je reviens parmi les miens. Ok, bon ben bienvenue chez moi, comme dirait Pagny. Hein. Bon ben c'est bon, moi j'ai mes 6 tours, c'est en Bah nuageux, il n'y écoute, avait plus personne qu'à c'est rejoindre le bon. circuit. Allez, On y go! va. C'est parti. Allez, go, c'est parti! Puis bah, à tout à l'heure. Première course de la soirée en 25% 6 tours, effectivement. À tout à l'heure. Ciao! Allez, on va pas oublier de prendre le bon circuit, donc en l'occurrence Rérez, 4 km 4 à 6 tours, hein, ça va faire combien de kilomètres? 26 km 400 mètres. Ouais. C'est des questions que je pose de temps en temps à mon fils pour des petits calculs mentaux rapides. Très important. Maintenant, nos chers pilotes vont chausser la montre de pneus qui leur sera la plus favorable, qu'ils estiment être la meilleure. Et à partir de là, moi je vais lancer le départ pour 6 petits tours. C'est vrai que c'est rapide, mais bon, c'est ainsi. Non, ces petits loups sont déjà prêts. Ça en fait deux. Donc 25%. Oula, 5 d'un seul coup. Très bien ça.
6 sur 8. Encore 25% du pilote sont attendus sur la grille de départ. Alors, la personne de Eldia Humain. Humain Eldia, Eldia Humain. Humain Eldia. Eldia Humain. Lequel va être l'avant-dernier? Et ben Eldia, c'est bon, on y est. 3, 4, 6, 7, 8, 8 verts, c'est parti. Santé à tout le monde. Allez, il y a 8 verts. Les pilotes sont en place sur la grille de Jerez. Il ne semble y avoir aucun problème, tout le monde est prêt. Les feux vont s'éteindre d'ici quelques secondes. Eh ben, bonne course à vous, messieurs. On y va, on y va, on y va. C'est parti. Et boum, on y va. Oh là, bon, bah, Yam, faut pas chercher. Il est devant. Ça se voit l'entrée de jeu. Ah non, c'est Petit Loup. Bravo, Petit Loup. J'ai vu une Yam. Donc, oui, non, non, c'est la Yam de Petit Loup. Bon, repassé par Virus, entre-temps, mais sacré départ des Yam. Waouh. CB va pas le lâcher hein. CB était très rapide. Et d'ailleurs, tout le monde est là. On les voit toujours tous à l'écran. On est sur CB. Eldia a passé deuxième. Eldia deuxième, Virus, bon ben qui est en train de tenter de faire son petit écart. Son écart légendaire. Voilà. C'est une technique, la technique Virus. La technique qui consiste à passer le premier tour en tête et tout gentiment rétrécir par rapport à ce que peuvent voir. Les pilotes de derrière sur lui, voilà, un Virus de plus en plus petit, donc qui prend de plus en plus donc d'avance. Hein. Ben bravo, bon courage à toi parce qu'il y a quand même de la concurrence et ils sont là les gars. Allez, on revient un petit peu dans le peloton de tête. CB n'a vraiment pas dit son dernier mot, on sent qu'il est rapide. Hein. Et Eldia suit bien. Eldia qui avait des problèmes en qualif. Hein. Là pour l'instant, il est sur le podium. Et légèrement plus bas à la quatrième place avec Maxi Francis. La deuxième à la sixième place. Et Yam qui ferme la marche. On va aller un petit peu plus loin pour retrouver Humain qui nous a dit dans le Twitch que ça roulait fort, effectivement. Et Samus avec le Petit Loup, tous les deux. On va tout de suite revenir sur la tête parce que le deuxième est à 5 dixièmes du premier. Il augmente légèrement. CB2, il en veut, CB1. Il fait pas dans la dentelle. Je peux vous le dire, quand on voit comment il prend certains virages et sa façon d'accélérer dessus, il est remonté. Allez, TB. Eldia toujours troisième.
Solide troisième place, c'est toujours menacé par Maxi Francis, mais un peu à distance. Attention aux erreurs. Et Virus qui compte une seconde d'avance pour l'instant. Maxi Francis qui est en train de se faire rejoindre par Yam. Ouh là là, ça bouge Maxi. Et il est à dû écarter. Et Yam en profite. À la sixième place. Sur la accélération. Mais ça nous surprise avec Huma. Ça bouge pour Samus, mais ça va. Ça ne sort pas trop mal, mais Huma va une meilleure sortie. De courbe. Allez, pas les voir rien, mais Maxi Francis là. Ça se bataille à ce niveau-là. Avantage pour Yam. Oula. Non, il n'y a pas eu de chute. Il n'y a pas eu de chute. Il y a juste un bug pour Yam. On croit qu'il roule au ralenti, mais non, c'est pas le cas. On va le côté de Maxi, voir si c'est pas trop gênant. Je vais y arriver. Voilà. Ouais. Il y a mon bug. Et Maxi comprend tout. Bon. Toujours une seconde pour l'instant. D'avance pour Virus. Au cinquième des 6 tours. C'est rapide. 5 tours sur 6. Amelia qui continue, qui lâche pas le morceau, et on a toujours Yam. Yam et son bug. Voilà, on est en train d'essayer de ramarrer Maxi Francis. Il y en a qui a pris une petite avance. Une petite bataille, celle de Samus et Huma. Samus qui a pris souci, une petite avance. Mais bien petite, elle risque. Ça risque de fondre au soleil, comme neige au soleil. On frappe une Maxi Francis qui chute. Et Maxi à l'écran, juste devant Samus. Ah, il va s'en vouloir Maxi. Hein. Maintenant, une bataille à trois. Huma qui vient de passer Maxi. Il est encore roule en roue. Ah, par contre, scratch de Maxi et le petit loup en même temps. CB qui a repris un dixième. Deux dixièmes, mais ce sera pas suffisant. Oula, surtout qu'il y a un écart, non.
Ah, Elbiac a fait une erreur. Et Yam qui en a profité. C'est une grosse erreur pour Elbiac, pour que Yam puisse avoir là maintenant 3 secondes d'avance. C'est ainsi. Allez, on va assister aux deux derniers virages. Déjà un dernier virage avant la victoire de Virus. Avec 1,5 seconde d'avance après lui avoir rétrocédé plusieurs dixièmes. Mais en tout cas, très proche l'un de l'autre. Bravo Virus. CB deuxième. Yam sans bug. Qui passe troisième. Eldia 4. Bravo Eldia. Humain, Samus. Axi Francis qui a fait grosse bêtise à la fin. Et Petit Loup qui vont terminer lui aussi. Ah, ça ne pourra pas passer la ligne d'arrivée. Et ben voilà, on confirme tout de suite les temps avec une très belle victoire de Virus 1,36,7. Revenons sur le classement final de la course. Avec une deuxième place et le meilleur tour pour CBville. Troisième place Yam, quatrième place Eldia. Humain à la cinquième, sixième Samu, septième Maxi Francis. Et Petit Luc ferme la marche en 1,38,8. Donc il y a quoi? Il y a 2,3 secondes d'écart entre le plus rapide et le plus lent. Mais quelques petites heures ont chamboulé un petit peu tout ça. Enfin, quoi qu'il en soit, bravo messieurs, et on va continuer pour la course des 50% dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hop là! Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, c'est bon. Hop, et donc, je remets, donc, ah bah si, c'est bon, je peux les remettre dans l'ordre, donc nickel. Dodo, ah, tu viens de changer. Premier, Mout Mout. Ah, c'est marche, hein, c'est bon, hein. J'ai ouais. Les commandes. Ouais. Mout Mout, ok. Chute de Dodo dans le dernier tour, dommage. Ah, ça a donné quoi alors? Premier, Mout Mout, deuxième, Coupera, troisième, Michou. Ah oui, donc qui se suivait pour qu'une chute, ça. Ah ouais, là, ça ouais. Coûte cher. Elle a coûté cher la chute, hein. Il est descendu à la cinquième place. Donc, Coupera, Jean-Guy. J'ai un Allemand qui était rentré dans le serveur, là, je l'ai sorti, là. Mais bon. Jean-Guy, c'est pas grave. On n'est pas Session Rig, hein, c'est pour ça. Désolé. Hein. Ouais, je regarde tout, bon ben voilà, tout est ok, entre rapide, ouais. Je préfère vérifier par deux fois que tout aille bien. Avant de passer mes petits gars. Mais non. Oh là là. Faudrait que je lui explique à Turquie du Nord que c'est un championnat, on peut pas rentrer s'installer. Même s'il est très 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 rapide. Exact. Alors là, oui, alors, monsieur a des records du monde. Hein. Il est impressionnant. Ah oui, oui, non, mais clairement, ouais, non, c'est une bête. Ouais, hein. mais voilà. C'est pas. Faut s'inscrire. Tu seras le bienvenu, mais faut voilà. S'inscrire. Et oui. C'est la condition. Bon, ben, prêt pour moi. Attends, je mets un petit message justement. Un autre ami brésilien. Où est-il Bon, tant pis, je verrai ça après. Et on lui ferait un petit mot. Oui. Alors, mais il est même décourageant. Hein. T'es devant lui. Tu sais pas comment il fait. Mais à chaque virage, il arrive à se rapprocher de toi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a un truc. Il y a un truc que ma moto ne fait pas, que la sienne fait. Et puis il accélère, il relâche, il accélère, il relâche. Comme si c'était les tutut, poète, poète, pousse-toi. Que je te double, mais vraiment, c'est voilà.
Je comprends pas son univers à lui. Je suis pas encore arrivé dans une dimension aussi évoluée que la sienne en termes de pilotage. Bon, je vais faire un petit message. On va dire désolé, mais c'est une course de championnat, je peux pas le laisser rouler. Enfin bon, bref. Voilà, voilà. Aïe, aïe, aïe. Voilà, non, mais au moins l'expliquer, hein, c'est normal. Oui, bah, voilà. Normal, normal, correct. Exactement. Je suis prêt à rejoindre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon, je suis bon aussi, moi. C'est bon aussi. Eh ben, on y va. Allez, go. Parti. Ah, allez, c'est parti, à tout à l'heure. Oh pardon, si je ne choisis pas le circuit, on va pas pouvoir avancer. Je suis en train de reprendre mes petites notes pour l'interview, avec différentes choses qui ont pu se passer sur le circuit. Bon, on attend tout le protocole. Voilà. Les consoles sont synchro. Là, je crois que j'ai fait peut-être une bêtise. J'ai eu un message qui me disait que j'étais à 25% et que j'avais pas changé. On va aller voir ça tout de suite. Là, on pourra pas. On va voir. Si c'est 25, on va tout de suite quitter à lancer. Bon, ben, les petites erreurs qui arrivent. Merci, Vilbos, pour cette remarque. On va voir ça. J'aurais juré avoir changé, mais bon. Il est fort possible que non. Bêtise. Donc si c'est le cas, messieurs, vous m'entendez, on va redémarrer dans quelques instants. On attend pour l'instant Humain et Eldia, ainsi que Samus. Humain, c'est bon. Il reste Samus et Eldia. Je leur ai laissé à 25%. Ben, je m'excuse par avance. Je m'excuse tout simplement. Alors, Samus Eldia, vous faites. Je veux vraiment en être sûr, pas quitter vêtements. Allez, Samus. Qu'on sache ce qui s'est passé. Ou pas. Samus. Ah, il faut peut-être faire une petite pause technique, chose comme ça. Eh ben c'est bon, alors on va savoir tout de suite si c'est 25, donc 6 tours ou jamais 50% avec une douzaine de tours. Les pilotes sont en place sur la grille de Jerez. Il ne semble y avoir aucun problème, tout le monde est prêt. Les feux vont s'éteindre d'ici quelques secondes. On va voir ça tout de suite.
Non, c'est bon, on est bien. On a bien. On est bien à 50%. Et boum! Un tour sur 13. Bon, parfait. Bon, pour moi, tout va bien. Alors, c'était peut-être autre part. Je sais pas. En tout cas, ça va. Bon, allez, on revient dans le peloton. Maxi et Virus sont en train de truster les premières places. On voit déjà tout de suite Virus qui est en train de prendre un petit ascendant. Il l'attend pas, mais attention à Maxi. À Maxi qui écarte. Mais qui reste dans le jeu. Il est fort possible que ce soit un souci au niveau de Cardboy qu'il avait laissé 25%. On discutait avant la course, j'ai dit non, t'inquiète pas, je laisse 100% pour les essais, t'avancer les qualifs, après on redémarre tout. Donc je penserais mettre les 25. Et peut-être que lui au 25, il oubliait les 50. Bon ben, c'est chose qui arrive, Maxi qui s'écarte. Et c'est Samus, belle surprise, Samus qui occupe actuellement la deuxième place. Avec Eldia, Eldia toujours troisième. Allez Eldia, pas le tube, c'est le podium. Hein. Virus, c'est pas son habitude, Virus vient de chuter. Et ça lui fait perdre 6 places tout ça. Pour le bonheur de Samus. Samus en tête. Eldia 2. Yann 3. CB qui est très très rapide. Est-ce qu'il va remonter tout ce monde-là et récupérer la première place? C'est la question. Yam sans bug. Je tiens à préciser, hein, ça va bien. Des fois ça bug. Mais pas là. Ah, Yam est. À deux furieux derrière lui là. Non, devant lui maintenant, pardon. Il avait deux furieux derrière lui, il a deux furieux devant. Et Yann qui est troisième en attendant. Virus qui est à 3 secondes maintenant de Maxi Francis. C'est le petit loup qui j'espère va rester dans sa roue. Et ce serait bien que les deux remontent. Ça pourrait vraiment être bien. Bon, quoi qu'il en soit, ça se bataille au niveau de Eldia et du Main là. Et le CB. Ah là, il y a du passe d'armes. Hein. Il y a des passes d'armes, c'est bien. Samus, il assure. Légèrement écarté, mais il a bien croisé. Ah, une fois n'est pas coutume, un petit peu de Samus à l'honneur. Pour quelques virages. Avant de regarder derrière. Pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Il est très sûr, pas du tout violent sur la moto. Il assure bien. Il a 5 dixièmes. Eldia à 5 dixièmes lui-même. Pour l'instant, tout va bien pour lui. On va faire un tour du côté de Eldia qui est en prise entre deux pilotes. 5 dixièmes de chaque côté, un devant, un derrière. Trois tours sur 13, je vous rappelle, consommation d'essence de pneus. Va falloir gérer tout ce beau monde. Et pour l'instant, Samus le fait plutôt à la perfection. Attention, Eldia humain. Humain, il doit se faire très plaisir, il doit avoir chaud.
chaud sous son casque et avec les doigts peut-être en sueur. Belle deuxième place et ça nous aussi doit avoir chaud. Là, faut rester concentré, allez messieurs. 4 tours sur 13, c'est beaucoup. C'est dès qu'il tourne bien, qu'il prend des précautions. Contrairement à Humain qui a fait une erreur et qui se retrouve d'un seul coup avec deux places de moins. LGACB à 1,5 de Samus. Samus qui garde un bon rythme. Hein. Allez, on va voir encore un peu ce freinage. Chacun dans son style. Plus court, meilleure sortie. Mais ça se tient à pas grand chose. Là, elle est plus sur l'intérieur. Mais non, c'est Bégarde. C'est Bégarde, sa deuxième place. Et maintenant, 1,16 seconde de Samus. Allez, une vue d'humain. C'est pas mal son virage. Celui-là, ça va donner le freinage. Un fort freinage, très fort freinage. Et la courbe est bien rattaquée. Bah voilà, il prend la troisième place. Je pense que bien, on va pas trop être d'accord avec ça. Il y en a sûrement. Qui va sûrement et qui va le faire. Et le Ducati officiel se tape la bourre. Un quatuor de tête. Une petite erreur d'humain et c'est le gars qui prend la troisième. Attention maintenant, CB n'est plus qu'à 7-6 dixièmes. Ça remonte. 1 seconde 7, passe à 0,7. En très peu de temps. Le freinage est assuré. 6 dixième. 7. On vient de la course humain. Oh, bien, ça bouge sur la moto. Ça bouge mais ça tient. Mais ça fait perdre un petit dixième par-ci par-là. Attention pour la tête. Je vais en mettre dessus. Ça mousse légèrement en écart. Il repique. Ça tombe à CB. Et ça mousse toujours devant au sixième tour. Restant. Non, au sixième tour. Effectué sur 13. Il reste 7. Ah, scratch de petit loup. Ah, dosez les mon grand. Allez, voir une autre bataille. En attendant, on suit ça de très près. Bataille de virus. Avec Maxi Francis. Écarte. Grande ligne droite, ah oui. Gros freinage pour deux parce que Maxi arrivait vite et les deux ont tourné. Avec Yam devant. On vient sur la tête. CB est très menaçant. On est à la mi-course. CB fait attention. Pas faire d'erreur. Ça mousse toujours solide. En tête. Oh là là, ça mousse qui tente de ne pas lâcher sa première place. Et pour l'instant, ça le fait. Très bonne sortie pour les deux. Attention. Ah, ça lève légèrement pour sa mousse. CB va le dépasser. Ah oui, il suffit d'un petit wheeling et puis ça y est. Hein.
On perd. Et c'est maintenant CB qui se retrouve à la première place. À mi-parcours. CB qui était deuxième à la première course. Ah, et Samus qui roule sur les vibreurs. Et ça a été efficace. Accélération, là c'est la spi qui risque de jouer. Ah oui, simplement une bonne sortie, mais CB va en reprofiter. Un beau couple. Avec un style différent à chaque fois. Aussi efficace l'un que l'autre. Un qui arrive à prendre plus de temps derrière pour bien se positionner, pour accélérer. Et l'autre qui prend un peu plus de risque en sortie de virage, mais qui perd du temps. CB, très beau travail d'étrage. Samus un petit peu plus violent. Mais n'en déplaise, ils sont quand même là. Ah, CB qui chute. Ben, ce coup-ci, là, Samus a vraiment un petit portail de sécurité. C'est le gars qui passe deuxième. CB est toujours troisième, mais là, il va être menacé. Là, il y a du monde. Il se retrouve à 4 pour la troisième place. Avec Virus en tête. Virus qui avait chuté. Et de nouveau Samus hein. En tête, on fait rapide. Elgia deuxième. Attention pas trop levé. On perd vachement de temps. Ah, plus qu'un groupe de 3. Maxi Francis légèrement détaché. Maxi Francis qui a fait un beau début de course de sprint tout à l'heure. Avant des erreurs. Qui l'ont fait être rétrogradé. Un petit tour sur la Yam. CB entre deux feux. Le feu du virus qu'il faut aller rattraper. Et le feu de la Yam. Donc il faut s'éloigner. Ok, Francis est un petit peu distancé à présent. Et virus aux prises avec CD. Ils étaient sur un même rythme la course d'avant. Donc là, je pense que rien, mais alors absolument rien n'est joué pour ces deux-là. C'est bien qui fait très court. Alors on profite du l'angle parfait pour pouvoir accélérer au maximum. Et là, ils sont vraiment équivalents. Exactement ce qu'on retrouvait tout à l'heure avec CB et Samus, maintenant c'est CB et Virus. C'est le podium qui joue. Le podium se joue actuellement. Bon pas se lâcher celui-là. Ils ne se lâcheront pas, c'est bien. C'est vraiment bien, c'est chouette. Ça montre vraiment un beau pilotage de la part des deux pilotes, alors que ça peut être aussi perturbant d'avoir un pilote qui est coincé en vie fantôme. Ah, c'est bien qu'il travaille les trajectoires. Et là, pour l'instant, une petite différence qui s'observe. Ah, par contre, bon, humain, excusez-moi, salut humain, je reviens sur Elgia,
qui maintenant mène la course. Suite à une erreur de Samu, je ne pense. Je sais pas s'il a chuté. J'ai pas vu, j'étais vraiment tellement focalisé sur sur Virus STB. En tout cas, maintenant c'est Eldia qui va lui faire plaisir, ça. Hein. Et c'est tant mieux. Samus qui de nouveau retrouve un autre adversaire à 6 dixièmes de lui. Virus CB, ils se font toujours pas quitter. Un moins de ligne droite et hop, c'est l'autre qui rattrape. Et ça assure mieux en freinage. Ils font gaffe également aux différentes aspies. Et on a aussi la bataille Maxi Francis avec Yam. Erreur, scratch de petit kilo, a beaucoup de scratch. Et Maxi Francis qui a un long lap. On trouve Samus qui a 7 dixièmes d'Eldia. Pour l'instant, Eldia, il est en forme, il maintient. Et même, fait bien attention à passer le plus proche possible des livreurs. Ils sont pas loin de CB Virus et Russ au scratch de Yam. De petits loups, décidément. On remonte légèrement. Toujours Virus CB. À une minute de Samus. Samus à 3 dixièmes maintenant. Attention. Samus est à 3 dixièmes. Eldia. Bien, parce que c'était délicat en freinage. Vraiment bien sorti. Et la récupération aussi. Effectivement, elle a l'air plutôt performante cette Aprilia. Hein. Oh, ça, il y a l'arrière qui a glissé. Ça n'a pas permis à Samus de freiner comme il aurait voulu. Qui fait son possible pour contenir les crashs et Samus qui tente qui prend les risques pour essayer de revenir et Samus qui chute et c'est maintenant Virus qui se retrouve deuxième. Mais pas n'importe comment, il se retrouve deuxième toujours aux prises avec CB et ce coup-ci CB est devant. CB est passé deuxième. Là, le deuxième de la course, suivi du premier de la course précédente, mais c'est Eldia qui mène la danse. On a 12 tours. Et Eldia continue. Un petit coucou à Petit Loup. Il est en train de se faire amarrer par le premier. Oh, ça glisse pour Yam. Pour Petit Loup, pardon, je veux toujours la moto Yam. Allez, humain. Humain qui bataillait au premier plan au début et qui l'a a chuté. Samus qui se retrouve cinquième, il suffit d'une erreur et ça se paye très très cher. Maxi Francis. Maxi Francis et Petit Loup. Ok, carte. Yam, quatrième place. Suivi de près par Samus. Virus, toujours au combat avec CB1000. Du début jusqu'à la fin. Ils sont en train de revenir sur Eldia. Ça va être terrible. Ça va être terrible pour Eldia, lui qui aurait aimé que ça s'arrête là. Ça s'arrêtera à 12 tours, il serait l'homme le plus heureux du monde. À l'instant je vous parle, mais il reste encore un tour à tenir. Un tour pour contenir CB1000 et les Virus, qui étaient respectivement deuxième de la première course, et Virus qui est en troisième place, premier de la première course rapide. Eldia toujours 4 dixièmes.
Ils font la menace, hein, plus de 10e maintenant les Sefors. CB qui arrive comme une balle. Qui n'arrive pas à tourner. Eldad en est tour, CB qui tente des freinages. Là, ah, c'était Trisica. Les virus est aux prises avec eux. Allez, petit saut de vue avec Virus sur la tête de la course. Ils sont pas loin, mais Dior a réussi à les contenir. Et il se dit, allez, plus que quelques virages et ce sera bon. Ah, les CB n'entend pas de cette oreille, mais pourtant Eldia résiste. Eldia est toujours en tête. Eldia arrive au freinage. Ah, CB qui freine comme un malade. Et c'est la ligne droite. Et je pense que CB va remporter. Ah, trois fois rien. CB, Eldia et Virus pour le podium. Waouh! Ah, c'était chaud. Eldia doit être un peu déçu de cette position. Mais bon, messieurs, c'est fort. Hein. Allez, quatrième Samus. Cinquième Yam. Ah, chute d'humain. Mais bon, c'était après la. Après. Et Mathis Francis, Kilou n'est plus parmi nous. Eh ben CB, bravo, belle victoire hein, de CB, mais vraiment dans le dernier virage, dans le dernier tour. À 33 millièmes du deuxième Eldia, Virus troisième qui termine. On va valider les temps. Pendant que les pilotes profitent d'un tour d'honneur bien mérité. Samus 4e, 5e Yamaha. Yam, pourquoi Yamaha? 5e Yam sur Yamaha. 6e Humain qui était bien au début, Maxi Francis. 7e et Petit Loup 8e. On a eu une déco. Je pense que c'est Humain qui a peut-être pas pu finir ou qui a eu un souci. En tout cas, plutôt impressionnant. Bravo, messieurs. On va tout de suite procéder à la petite interview. Hein. Donc on y va. Alors, on y va. On y va. Et on va inviter nos chers pilotes à la petite discussion d'après-course. Je me suis un peu emmêlé les crayons. Bon, on a invité les pilotes et puis on attend qu'ils arrivent. Ça a les virus. Wow, c'est chaud, ouais, cette deuxième course. Salut. Bravo quand même. Hein. Ah, c'était chouette. Salut les. Salut Samus, salut Yam. Salut, je suis en train de revoir oublier personne. Bon, ben, je pense que je dois avoir tout le monde. Allez. Pouf, les baillons, très chaud ça. C'était chaud. T'as, hein. T'as dû voir de belles choses. Ah ouais, ouais. Bien roulé les gars devant là. Ouais. Ah, c'était vraiment bien. Hein. C'était vraiment humain, bien. Hein. Il m'a répété ah, humain. Hein. Putain, Humain, ouais. Ah, il a eu des débuts, un début wow, de course vraiment bien. Ah ouais, balèze, hein. C'est dommage qu'il soit tombé, mais...
Il avait une belle course, Suprême. Ouais, il a fait une belle course. Ouais. Ah, et bien, il s'est gavé aussi. Oh, je suis gavé, je suis mort là. J'ai mal au pouce. J'ai mal au pouce et j'ai mal aux fesses. Je les ai serrés tellement fort. T'es chié dessus, mon ref. Ah, je me suis chié dessus. Salut, allez, bon, on va commencer. J'ai fait un petit calcul rapide, vous m'excuserez, c'est pas exactement précis, mais je trouve Eldia en troisième place de, le, de la soirée. Non, de la soirée, c'est-à-dire première plus deuxième course. Voilà. Donc j'ai plus les résultats de la première. Ah ouais, les deux courses. Mais bon, mais... comme t'as fait deuxième. Troisième. Les deux courses, ouais. Ouais, comme t'as, sur la troisième, la deuxième course, t'as fait deuxième, donc 20 points. Personne ne pouvait de toute façon te passer devant, quoi qu'il se passe. Donc officiellement, t'es logiquement sur le podium pour la troisième place. Et ouais. Alors je dois. Alors, champagne, les gars, c'est moi qui paye. Alors c'est dommage parce que t'as chuté vers la fin en course rapide. Ouais, ah. Ouais, j'ai chuté en course rapide. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est j'ai trop forcé et quand je voyais Yam passer, bon, je me suis, on va dire, on va se calmer et j'ai pas compris. J'ai la roue, elle a décroché. D'un coup, elle a décroché dans le virage. Pourtant, j'étais bien, j'étais sur la trage et d'un coup ça décrochait. Et du coup, ça laisse la place à Yam. Mais après, j'ai essayé de me concentrer sur la course longue. Ah bah, ça, belle réussite où, d'ailleurs. Fallait pas faire d'erreur parce que déjà, j'aime pas le circuit. Ouais, vous êtes plusieurs, je suis bien. Personne ne l'aime celui-là. Donc voilà, donc je me suis dit, comme personne ne l'aime, moi aussi, je vais pas faire d'erreur dessus. J'ai pas fait d'erreur tout le long et. Je vois CB et Samus se battre. Je me suis dit que. Il en a un des deux qui vont tomber. Bah. C'est CB qui est tombé, malheureusement. Moi, du coup, je récupère la deuxième place et je vois Samus et il est au bord du long lap. Alors, du coup, je me suis dit, je vais pas attaquer. Je vais rester loin derrière. Je vais le laisser faire ses erreurs. Et il a eu son long lap. Alors, du coup, bah. Ça me laisse la première place et à partir de là, j'ai roulé comme j'ai pu. Et d'ailleurs, j'ai mal au pouce. Et pour le coup. Belle performance parce que j'ai bien roulé. Ouais, bravo. J'ai fait une performance et voilà. Bon après, c'est bien. Il a joué le gars. Il est arrivé de nulle part. Et fort à lui et voilà. Course, ouais. T'étais vraiment solide avec ta troisième place. On t'a retrouvé par un moment troisième sur la seconde place. Et puis, bah, les erreurs des autres ont fait que par un moment, bah, tant mieux, t'avais une belle avance. Hein. Et t'étais premier, et puis ça tournait solide. Il n'y a pas d'erreur, je me suis dit, la course aurait compté que 12 tours, ça aurait été le plus heureux des hommes, et là, s'il faut le 13e tour. Et c'est là que les choses ont un petit peu évolué. Donc, on va en parler de ça. À un moment, je me suis dit, mais quand la course elle termine, tu vois, je suis premier, ça se termine quand? C'était trop long. Ouais, ouais. Voilà, il faut l'arrêter au 12e tour. En plus, moi j'aurais fini devant sa mousse. Bah, du coup, t'as fini derrière. Ouais. Voilà, ouais. Alors sinon, le deuxième du podium, Virus. Virus qui, je me suis dit, va nous faire une régalade. Genre, première course, je la gagne. La deuxième, je vais faire la même chose. Je commence à partir et là, une erreur sur une réaccélération, je pense. C'est ça. Et ça t'a... Bah, ça t'a miné. Mais pourtant, même en minant... T'as quand même réussi à remonter gentiment, petit à petit, les places pour finir quand même à la troisième place de la course longue, parce que fallait quand même y arriver et puis avoir un bon rythme. Même si on a une chute, les autres font une chute, faut avoir un bon rythme entre les deux pour pouvoir bien arriver. Bravo Virus quand même. Merci, c'est ça. Après, bon, c'est vrai que Eldia, Samus, ils ont roulé très fort. Je fais cette erreur fatale d'accélérer sur le vibreur et ça me fout en l'air, donc je me retrouve septième, très loin des autres, et c'est vrai, je remonte petit à petit, j'arrive à remonter. Après, on se fait une magnifique bataille avec CB pendant 4 tours. Oh, même plus, vous étiez tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble.
Ouais, mais ça, ça a sûrement aidé parce que dès qu'il y avait un point d'aspi, il y en a qui prenait, l'autre qui reprenait. Ça n'arrêtait pas. Genre de la locomotive avec ses, avec ses deux bielles. Pop, 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 pop. Mm-hmm. Ah ouais, on voyait qu'on revenait sur les deux autres devant. Ouais, donc, non, ça allait vraiment. Ça a dû vous faire plaisir. Moi, je me mets à votre place, ça allait vraiment être sympa. Et voilà, bon, et après, dans les deux derniers tours, je fais deux petites erreurs dans un virage où je perds du temps. Et là, c'est, voilà, et c'est là que tu as pris un peu de distance. Le troisième tour, j'ai essayé de le faire en Power 3. Je suis remonté un petit peu sur vous, mais c'était, il me manquait un tour. Mmh. Ah, mais pour essayer de recoller. Voilà, pour essayer de recoller. Mais belle course à tout le monde, de toute façon. Ouais. Magnifique course à Elga. Mmh. Bien joué, mon CB. Et écoutez, c'était pour un circuit qu'on n'aime pas, on s'est pas trop mal débrouillé. Ouais, tout à fait. Allez, maintenant, la personne à l'honneur ce soir, quand même, parce qu'il faut quand même le souligner. Bravo, CB. Bravo, CB. Alors, ouais, j'ai vu la course. Déjà, sur la course rapide, par un moment, il y avait une seconde 7 qui te séparait de Virus. Il t'a commencé à remonter. Mais il y avait quand même une distance qui gardait et t'as pas pu. C'était dur, non? Ah, bah c'était ça, oui, les erreurs sont faites derrière à ce moment-là. Ah, t'as eu. Ah, ouais, ben bah, ça se voit. La moto qui bouge, qui est proche de la chute, et elle arrive à revenir sans trop de faire de mouvement de balancier. Et ça t'a vachement aidé pour déjà les trajectoires propres. Ah ouais, ça, pourtant j'ai activé le power 3. Putain, ouais, j'ai flippé. Je t'ai vu, j'ai flippé dans les derniers virages. Là, comme GRS, quoi. Au final, tu vas devenir mon adversaire, mais. Un final, ouais. Final, Ah, mais Eldia, jusqu'au dans le dernier virage. C'était bon, même Elia a pris un petit peu de risque, alors que toi, tu t'es pas posé de questions. J'ai vu, c'était rentré comme un sauvage, bien ressorti, ouais. Ouais. Non, c'est passé, ben voilà. Deuxième. Au début, je disais que c'était Virus, mais au final... Deuxième et premier. Non, mais vraiment, bravo. Vous verrez, il y a... Voilà, eh ben... C'est marqué. Eh ben voilà. Ben, fais gaffe, on y prend goût et puis après on veut plus le lâcher. Bon, voilà. Non, c'est vrai. Elle est tombée beaucoup plus que ça. Ouais. Ouais, ça non plus, ouais, tout à fait. Non, mais. Bravo toi. Et on va passer à Yam. Yam qui a fini troisième de la course rapide. Pas mal. Un peu de temps, le temps de te mettre en chauffe. Par un moment, j'ai vu la course. C'était le début de la course les gars, sprint. Là, il y a petit loup qui a mangé tout le monde. Il est passé en première position. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Non mais c'était. Par exemple, on dit oh c'est Yam. Yam, t'étais derrière. Mais alors là, il a fait un démarrage encore plus canon. Mais petit loup devait être vraiment déconcentré. Sur la course rapide, c'est dommage. Il a fait des erreurs. Mais en tout cas, bon ben voilà. T'as su attendre le temps qu'il fallait pour profiter d'une régularité et puis un peu d'erreurs de la part des autres. Donc un petit podium pour ce soir, sympa. Oui, un petit podium. Ouais. Enfin, un petit podium, c'est un podium. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, Samouz, il voulait pas me donner la speed sur la longue. Ouais. Je voulais mélanger toi. Non, non. Non, moi je suis pas tombé en plus. Hein. Non. Non. Mais ce qu'il y a, c'est un circuit, j'arrive pas bien non plus. Hein. 37, je tournais en 37, donc... T'as juste bugué, Yann. On est une seconde autour, ouais. Ça y fait, hein, une seconde autour. Ouais. T'as juste bugué. C'est tout. J'ai bugué. Ah ouais, par un moment, on te voit de travers, c'est l'image qui sautille. Ouais, il y avait genre de choses. De toute façon, vous le verrez, là, si vous regardez la course. Ah ouais, mais ça, il y a toujours... C'est de la merde. Oh, rien de méchant. Bah, ouais. C'est bizarre, ouais.
Ouais. Mais ah bon, ils t'ont mis des DSL. Parce que ça doit disparaître, là. Par rapport à la fibre. J'ai une box, mais j'ai un câble qui est branché dessus, hein, qui va directement à la PlayStation, ouais. Ah non, non. Mmh. Puis si tu sors ça, ouais. Si tu sors ça, pour longtemps que ça fait ça quand même. Mmh. Il suffit déjà que ton téléphone qui est connecté en wifi, déjà faudrait déjà l'enlever quand tu veux. Mais il est... ouais. Mais il est éteint normalement. Ouais. Ouais. Et puis ouais. On va accueillir également Samus ce soir. Qui était. Alors, j'ai moins de souvenirs de la course rapide, mais par contre, la course longue, t'étais vachement solide pendant des tours et des tours et des tours. Je me dis, ça y est, il est bien, il va pas faire d'erreur, ça va aller jusqu'au bout, et les autres n'auront pas le temps, parce que t'avais quand même un rythme qui permettait de ne pas te faire remonter très facilement par les autres. Ça va avoir une petite avance. Mmh. Mais bon, première course, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un freeze. Du coup, ça m'a fait chuter. Ah. Et deuxième course, bah la pression d'être premier, c'est la première fois que je suis premier, donc forcément j'arrive pas à gérer la pression d'être premier. Ouais, c'est pas évident. Du mais... coup, je commence à faire des petites erreurs de trage, ça me fait un log lap. Et puis on y pense. Ouais. J'ai réussi à remonter un peu Eldia après le long lap, il a commencé à avoir une petite bataille. Puis j'ai la meilleure idée de me gratter le menton depuis le moment de la bataille et sur un freinage, donc je tombe comme un con. T'avais personne à côté de toi ? Y'a personne, t'avais pas un gratte-menton à côté de toi ? C'est ça qui est dommage. T'avais pas un truc de gars pour te gratter ? Ah non, malheureusement. Oh bah c'est dommage. Ouais. Bon bah en tout cas, non c'était bien. Et vraiment, il y avait des groupes, hein. Il y avait des belles batailles. Ça se battait vraiment à plein d'étages. Ouais. Je suis toujours resté sur ceux qui étaient les plus proches les uns des autres. Je zappais un petit peu de temps en temps. Donc, tous ceux qui étaient seuls, je les ai moins affichés à l'écran. Mais parce qu'on ne pouvait pas, fallait tout prix que vous puissiez vous revoir. Bah, Humain, il m'a sur donné les courses, des belles batailles aussi. Hein. Ah, franchement, Humain, ouais, au début, Humain, ouais, il a fait... il était même des fois même plus rapide que moi. Ah, il était... j'en parle même pas, je l'ai bataillé pendant deux virages. Après, j'ai vu, il a commencé à me tracer. Non, Humain était moins présent pour la rapide, mais par contre pour la longue, ouais, il a fait des Humain, trucs, il a fait une belle course. Ouais. Ah, ouais, c'est dommage que il ça, a jeté, ouais. C'était plus dur avec le temps. Ouais. Ouais, mais en tout cas, ouais, c'était vraiment c'est sympa. Je me suis bien amusé. Il n'y avait pas de temps mort. C'est une belle course. Chose. Ouais, en tout cas, bah, écoutez, monsieur, je vais vous quitter, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Puis... Eh ben, merci à toi aussi, c'est encore bon. Merci. Et puis, rendez-vous dans 10 ans. Ouais, voilà, sur la place des grands hommes, ouais, quand vous serez tous titrés champions du monde, avec grand plaisir. En attendant, bon, on va se faire lundi, hein, un petit lundi. Donc, tâchez de bien vous entraîner tous, parce que, faut arriver à aller. Aller faire un petit tour et puis batailler avec les autres. Là c'était marrant parce que la plupart de... À part Eldia, tous ceux qui étaient dans mon groupe sont restés dans mon groupe. C'est-à-dire que l'autre groupe avait vraiment un grand delta en termes de temps sur ce circuit. Je pense qu'il est passé, mais non. C'est qui est passé devant moi. Les premiers, là, Dakalif, mais j'ai fait deux. Et lui, il est passé dans le groupe 1. Ah ben, c'est Yandley. Yandley, ouais, il est passé dans le groupe 1. Et c'est justement Humain qui, lui, a intégré le deuxième groupe. Mais bon, en tout cas, c'était vraiment chouette. Croyez-moi, je dis pas ça, va plaisir. C'était superbe, ouais. Ouais. Du coup, bon, après, j'ai pas le calendrier. Il est sur... Mais juste comme ça, c'est quand la... Enfin, c'est quoi la prochaine course ? Motegi. Ah, c'est pas pareil aussi, hein. Ah, c'est... Il y a aussi du gros freinage. Hein. Ah, la chicane là, avant la ligne droite, elle est... Ouais. Ouais. Faut faire gaffe à pas se déstabiliser, ouais. J'ai déjà fait cette course-là, mais sous la pluie, c'est assez terrible. Ah. Ah ouais. Ah, merde. Juste sur le droit.
Ah, je me rappelle, oui, de la clé. Je crois que je t'avais doublé, même. Ouais. Ouais. Eldia. Ouais. C'est mousse, ouais. Eldia. Ouais, ouais. Non, c'est vrai, c'est pas évident, ça mousse. Le cœur, ouais. il bat à fond. Et puis on peut rien y faire, c'est terrible. On ose dire calme-toi, tu penses de plus à plein de choses. Rien à faire, ton cœur continue à battre. On oublie de se concentrer sur la piste. Mais c'est vrai, mais je comprends toujours. Moi, dans les derniers tours, mon cœur s'est arrêté de battre et genre il s'est calmé. Il a ralenti un peu. Je lui dis c'est bon, je suis premier. Allez, calme-toi. Et là, CB. Et bon, voilà. CB, il n'a pas dit pareil. Ah, le stress, ouais. Oh, c'est terrible, mais beau à la fois. C'est terrible. Mais ouais, c'est dommage pour toi. Ça aurait vraiment été sympa. Mais c'est pour bientôt. Hein. Allez. Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Eh ben écoutez, bonne soirée à tous. Merci et à très bientôt. Salut les gars. Et bien voilà messieurs, c'est ainsi que s'achève la deuxième manche du championnat des Titi Boys sur le circuit de Rérez. Et rendez-vous comme il se doit la semaine prochaine, lundi, à partir de 20h55, moment de la diffusion. Bonne soirée à tous, salut.